Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle édition d'Actu des Églises. Bienvenue à vous. Good morning, Lydie. Bonjour, Bérénice. La première partie de cette actualité en langue anglaise, c'est avec vous, Lydie. Blessing Jinneba confirmed her presence in the Mungo Tabernacle of Konsama last week, Sunday, 10 October 2021. After some 30 minutes of silence, Brother Tanyunji Emmanuel took the floor and conducted the people of God in the moment of worship. Followed by Reverend Pastor G. Emmanuel, who took the altar and read the book of Genesis 1 verse 26, Luke 10 verse 19. He entitled his message, The Man God. The man of God started his sermon by saying, We are powerful men and women. The Lord is our divine mother. All power has been given to us in such a way that what we bind on earth is bound in heaven. And that power is not limited, said the man of God. You can oppose God's decision in your life, but you have the right to plead with God. Always be present in church to know the decision God has concerning your life. We are creators, and that's why Brother Branham would create spirits. The man of God encouraged the people of God to change their language and start speaking like gods. Let us all change our statues. Let it be registered that we are gods. And it was a beautiful moment in the house of the Lord, and the man of God concluded his sermon with a word of prayer. Blessing Jinneba for PCE. The Christians of the Bombari were richly blessed last Sunday, not only during the preaching of the word of God, but also during praises. Sarah Mambingo for the details. After observing 30 minutes of silence, Bodambanga Charlemagne climbed on the altar to lead songs. Before that, the servants of God recommend the service in the hands of God. The children of God at the Bombari Assembly was blessed with the visit of Pastor Emmanuel Lingok. Who also climbed on the pupil in the same mode, called the grace of God upon his children. The sermon was the convulsions of the church. The scriptures were in the book of Matthew 27 verse 23 to 46. We have to be in cruel anger against ourselves in order to honor God. The servants of God exhorted the children of God to stop humiliating God with their bad behaviors. It's time for us to have a retrospection of our lives, because what we do here on earth will follow us till the day of judgment. Bénis par la parole aujourd'hui. Voyons comment la nature a grévé lorsque on crucifiait le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. C'est comme ça aussi que le Saint-Esprit nous a dit ce matin, que lorsque nous voyons la parole de Dieu qui est traînée par-ci par-là avec la honte, et nous devons aussi refuser cela. Nous devons vraiment nous révolter. Et c'est vraiment une parole qui nous a touchés profondément dans le cœur aujourd'hui. Et nous devons entrer dans la confession. The servant of God finishes his sermon by saying that it's time for us to enter in conversion and stop behaving like unbelievers. Sarah Mambingo for PCI. The Christians of the Boya Prayer House braved the rain last Sunday to commune with Jamaica. Let's listen to Becky Diba. It was indeed a raining Sunday this October 10, 2021, but that did not stop the Christians of the House of Prayer Great Support Boya from fellowshipping with their Creator.
The singing was led by Deacon Gaston Simon-Pierre, while Pastor Chiamo Fidelis delivered the word of God. He read from John 6:60-68 and gave us topic a difficult mission. He began his sermon by saying, "What is written in the Bible is for our learning. It is better to learn from the mistakes of others rather than having to experience making our own mistakes. Christianity is a battle which will end only when Jesus comes, and so it is essential for Christians to stay by Jesus' side as he alone can reveal to us the tricks and plans of the enemy," he added. Following Jesus is life. That is why the disciples could say, "To whom shall we go? You have the words of life." Failures come as a result of being disconnected from God. A spiritual connection to God is very important. C'est une grâce pour nous d'être dans la maison du Seigneur où nous venons de sortir. Nous avons été franchement bénis par le pasteur Fidelis Chiamo qui, par la grâce de Dieu, nous a apporté l'exhortation sur un combat qui est difficile. Que nous devons savoir que la marche chrétienne est un combat en lui-même. Que suivre Jésus est une histoire de vie ou de mort. Et cependant, nous a fait comprendre que nous devons bâtir un bon état d'esprit, car c'est l'esprit qui vivifie. Et on ne va pas se contenter de la chair, mais d'un esprit fort, ne pas écouter ce que le diable dit. Et que cependant, dans les combats, nous devons regarder à Dieu, qui est le chef, car en tout cas, nous donnera toujours la victoire quand nous combattons dans la victoire. Donc, c'est ce que j'ai pu tirer en cette matinée. Que Dieu vous bénisse. After making a prayer for the sick, he proceeded by making the closing prayer which ended the service. For PCE, Biki Dziba. Despite the cloudy atmosphere, the Christians of Ekona Church still came in great number to fellowship with God. Amazing grace for the report. Brethren in Ekona came together into the temple of the Most High to sup with him through singing, which was led by Brother Bertrand Anago for 30 minutes, and the preaching of the word, which was served by Pastor Ruben Achi. He drew his inspiration from the book of Matthew chapter 27 from verse 1 to 5, and under the theme, "Nothing can work against the truth but for the truth." The pastor read further from the book of James chapter 4 verse 17 and Mark chapter 16 from verse 17 to 18 and explained that so many things may be going against the vision and plan of God for us, but to our notice, they are only a stepping stone to achieve that expected end, which is God's truth for us. He prayed for the sick, and an ending prayer was offered by Brother Anthony. Our pastor spoke to us on the theme, "Nothing can stand against the truth but for the truth." I learned that no matter what we go through, the truth will always prevail. Like in the case of Joseph, who was accused by Potiphar's wife, to her she was trying to destroy his vision. But on the other hand, it was God's perfect will for him. For PCI, I am Amazing Grace, recounting from Ekona. Les frères et sœurs du Love Divine Sanctuary de Mabanda, situé à Bonaberry, ont été richement bénis dimanche dernier à l'écoute de la voix de Dieu. Noël et Sceaux nous ont dit plus. Mabanda, ce dimanche matin, était arrosé par quelques gouttes de pluie. Mais les chrétiens n'ont pas manqué de venir dans la présence du Seigneur pour l'adorer. La louange fut conduite par le frère Noël et Sceaux. Ensuite, c'est au diacre Tonan Mathieu de présenter l'orateur du jour, le prophète William Branham, dans son message intitulé « Le Dieu de cet âge mauvais », prêché en 1965, troisième séquence d'écoute. Après un mot de prière, le frère prendra comme texte d'appui 2 Corinthiens 4, 1 à 6, Galates 1, 1 à 4, suivi d'un bref commentaire avant de céder la place à l'écoute du prophète. Et nous, la témoigne, la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute confiance dans devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les introduire dans le Dieu de ce siècle à aveugler l'intelligence
afin qu'il ne vive point et qu'il ne vive pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Après 1h30 de l'écoute de la dite bande, le revend Aaron Pegavenger conclut en ces termes. Tout d'abord, il remercia le peuple de Dieu pour le soutien sans faille, pour le deuil de sa fille. Ensuite, continua-t-il, nous devons savoir que nous sommes dans un âge dominé par le diable. Et c'est l'âge le plus mauvais où la séduction et la tromperie dans les derniers jours sera tellement grande. Mais dira-t-il, gloire soit rendue à Dieu, qui est aussi en train de préparer un peuple qui porte son nom, qui se dirige vers un monde où il n'y a plus de péché, et dont le nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Il finira par dire que cet âge est un âge de choix, où chacun décidera de sa destinée. C'est sur ce mot qu'il va donner un mot de prière, suivi de deux cantiques pour la collecte des offrandes, et c'est le diacre John Amateur qui viendra conduire l'église. C'est avec joie que les chrétiens de la maison de prière de PK21 ont reçu les riches bénédictions du Seigneur dimanche 10 octobre 2021. Écoutons à cet effet le reportage de Thierry Ngan. C'est sous une pluie diluvienne que les chrétiens de l'église Maison de prière pour tous de PK21 ont communié avec leur Rédempteur au travers de sa parole. Après l'observation des 4 minutes de silence, selon l'ordre de l'église prêché par le prophète William Aaron Branham, que le frère Banek Jean-René a conduit la louange. Après la louange, le révérend Baptiste Anglais a lu quelques communiqués. Nous avons été connectés au Love Divine Sanctuary où nous avons écouté en direct notre réel Père, à savoir le révérend Baroya Samuel, qui a longuement exhorté le peuple sur le respect de nos conducteurs spirituels. Des enfants qui t'appelaient papa hier. Tu peux connaître pas papa hier, c'est des dates qui te critiquent en direct. Pour ça, criticizing you in life. Même derrière ta chair. Even behind their même derrière ta propre chair. Even behind your own pupil. Pire encore derrière leur chair à eux. More even behind their own pupil. Cela. Je crois, dit-il, que ceci est un conseil d'église, mais non une prédication. Il est dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, du verset 1 au verset 4, et le psaume 1 tout entier. Il est noté : ne vous choisissez pas des pasteurs par fantaisie, mais priez le Seigneur afin qu'il vous révèle qui est votre pasteur, afin d'avoir un couvercle spirituel. Une prière d'intercession fut élevée par le révérend Baroya Samuel à la fin de l'exhortation. Les offrandes furent prélevées. Le révérend Baroya Samuel congédié à l'Assemblée par la dernière prière. Thierry Ngananga, parole créatrice info de PK21. Le Shalom Tabernacle de Bafia, une fois de plus réuni autour de son berger, n'a pas manqué d'être béni. Une confirmation d'Astrid Ngara. C'est avec joie que les chrétiens du Shalom Tabernacle de Bafia se sont rassemblés autour de la parole ce dimanche 10 octobre 2021. La louange a été conduite par le frère Amand Joseph, ensuite le pasteur Boyo Jun montant en chair pour introduire la bande intitulée « L'Absolu ». Il invita à cet effet le peuple de Dieu à lire les passages bibliques suivants. Acte 26, verset 15, Acte 25, verset 15, Acte 23, verset 11 et Philippiens 1, verset 20. Dans ses propos introductifs, l'homme de Dieu commença d'abord par définir le mot « absolu ». Il dit selon le prophète Branham, « L'absolu est quelque chose qui est parfait en soi-même, d'une puissance illimitée, quelque chose de fondamental, de final, de définitif, bref, c'est l'amen. » Il poursuit disant que la parole est une pensée exprimée. Il faut premièrement qu'il y ait une pensée, ensuite elle devient une parole, car on ne peut pas prononcer des paroles sans qu'il y ait des pensées derrière. Mais lorsque nous parlons en langue, nous n'avons pas de pensée propre. C'est Dieu qui exprime ses pensées par nos lèvres. Le pasteur montant en chair pour la dernière prière, le rendez-vous est pris pour la semaine, pour la suite de l'écoute de la bande. Le meilleur des festins se trouve à la table du Seigneur. Le dimanche 10 octobre 2021, un jour de joie pour les chrétiens du tabernacle des toits. Une enquête menée par Laetitia Mvogo.
C'est avec des témoignages et des chants d'action de grâce que le culte débutera ici au tabernacle de toi. Le pasteur lira dans Acte 2, le verset 1. Après quoi, la voix la plus autorisée prendra la place à travers la bande. La profondeur appelle la profondeur. Le prophète Branham nous dira que, quand la profondeur appelle la profondeur, il doit y avoir une profondeur pour répondre. Lorsqu'un homme qui est dans le monde et ne connaît que ce que lui offre le diable, ensuite le Seigneur lui fait grâce et lui fait venir à sa rencontre, alors il combat désormais dans la victoire et Jésus est avec lui, car dans son cœur il y avait déjà une semence. Il nous dira également que tout ce que nous avons existe pour un but précis, tel fut le cas de Anne qui attendait le Messie et le Seigneur lui a montré le Messie car elle était conduite par le Saint-Esprit. Si l'on vient dans la présence de Dieu et avait des choses à critiquer, alors on verra beaucoup de choses à critiquer. Mais si l'on cherche Dieu, on le trouvera. En revanche, il nous dira aussi que ce n'est jamais l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. Maintenant, peu importe ce qu'il dit de faire, c'est simplement ce qu'il dit. Dieu étant le même hier, aujourd'hui, éternellement, a accepté se faire photographier à travers la colonne de feu sur la tête du prophète William Aaron Branham. La bande continuera par une série de prières et de délivrances. Écoutons à présent Hulda Wamene pour le conte de consolation tabernacle de Yokadouma. Les chrétiens de consolation tabernacle de Yokadouma ont eu une bénédiction spéciale ce dimanche 10 octobre 2021 à l'écoute de la parole de Dieu. Après la louange conduite par le frère Dimanche Mambéa, le pasteur Salomon monta à chair. Après la lecture de la Bible dans le livre de 2 Corinthiens, verset 20, il intitule son sermon « La réussite ». Dans ses propos, il viendra ici ressortir les secrets de la réussite. Il déclare premièrement que pour réussir, il faut premièrement avoir la foi et s'approprier des promesses de Dieu, car il veut sur sa parole pour l'accomplir. Et c'est ainsi que la foi prend sa base de départ sur ce qu'il a entendu de la parole. Nous devons avoir des bonnes pensées car selon le prophète, tel un homme pense, tel il est. Si tu veux que ton futur change, il faut changer ta manière de penser car tes pensées sont prophétiques à l'exemple de la création du monde tout entier qui est l'expression des pensées de Dieu. Nous devons donc éviter la convoitise et la jalousie et se fixer des objectifs tout en ayant foi en la parole de Dieu. Tels sont donc les secrets de la réussite. Comme d'accoutumé chaque dimanche, les chrétiens de Mandjo dans le Mungo se rassemblent pour louer le Seigneur. Dimanche dernier était un jour de joie. Anne Bakane pour plus de détails. C'est après les 30 minutes de silence que le culte du dimanche 10 août 2021 commença par une très grande ambiance de louange d'adoration conduite par le frère Elias Faux, qui a duré une trentaine de minutes. Puis céda la place au reverend O'Kelly Stephen qui a commencé par un chant de remerciement. Puis il lut dans le livre de 1 Jean chapitre 12 verset 15 et intitula son sermon « Rendons la maison de Dieu propre ». La Bible raconte l'histoire de Jésus quand il avait chassé les gens à coups de fouet dans l'église à cause de la saleté qu'il faisait dans l'église. Et comme Jésus, le reverend nous mit sur nos gardes. L'importance, ce n'est pas d'avoir une maison, mais ce qui compte, ce sont les gens qui s'y trouvent, l'état du cœur. Nous devons vivre une vie de sanctification pour que le Seigneur accomplisse ses miracles dans la ville de Mandjo. Nous sommes fatigués de l'étude de la parole. Ce que nous voulons, c'est la démonstration de cette parole suivie des miracles. Et c'est sur ces mots que le serviteur arrêta. Anne Bakane depuis Mandjo pour PCI. Dimanche dernier, 10 octobre 2021, les chrétiens de la localité des Bonnets se sont encore assemblés pour communier avec Dieu. Voici la confirmation de Roger Ndjé.
Tout commence ce matin par une journée timide et nuagée où quelques braves combattants ont répondu présents à l'appel du Seigneur. Après les 30 minutes de silence, le chant, le frère Bachemo Usso conduira le peuple de Dieu dans l'adoration et introduira l'orateur du jour, le pasteur Auger et Pensant, par un chant d'appel qui donnera le thème de son message « C'est moi, n'ayez pas peur ». Il ira dans le texte suivant, Matthieu 14, versets 22 à 27, et bénit le peuple de Dieu pour leur fidélité dans sa maison. Il les exhorta à ne pas céder au chantage de l'ennemi. Le prophète dit dans la brochure, c'est moi, n'ayez pas peur, au paragraphe 21, il dit, eh bien, ça devait être le coucher du soleil. Ça avait été un jour terrible. Il y aura beaucoup de tensions et ce sera des jours mauvais. Quand il y a des tensions, c'est en ce moment que Jésus manifeste sa puissance de résurrection. Il nous a dit, n'ayez pas peur, toutes ces tensions qui sont en train de sévir le monde entier aujourd'hui, c'est parce que Dieu a la main mise. Il connaît toutes choses avant son commencement. Sachez qu'il y a Dieu dans toutes les épreuves que nous subissons. Et chaque homme est un héros de sa propre histoire. Et c'était Roger et Pensant pour le PCI Ebounet. Suivons à présent notre envoyé spécial Lumière Bibotley pour l'actualité de Beraka Tabernacle de Déa. Les chrétiens du Beraka Tabernacle TDA se sont rendus encore comme d'accoutumé ce dimanche 10 octobre 2021 dans la maison de Dieu. Ils sont venus louer, célébrer et adorer le roi des rois qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que la louange fut conduite par le frère Bignette Joseph et en retour, c'est par une vive voix que le peuple de Dieu chantèrent. Par la suite, le chantre céda la place au frère Mélonie Robert, qui était l'orateur du jour. L'homme de Dieu exhorta le peuple de Dieu dans le livre de Romains 2, versets 3 à 8, avec pour thème le trésor. Par ailleurs, il dit, le mot trésor trouve sa place dans plusieurs domaines. Il peut signifier la richesse, le prénom des pierres précieuses ou un objet précieux et bien d'autres. Il dit également qu'il existe sur la terre le trésor de la justice et celui de l'injustice. Les méchants amassent aussi des trésors par le canal du mal, mais en retour, c'est les temps de feu qui leur est réservé. Par contre, les justes amassent des divers trésors à l'instar de la vie éternelle, la richesse, la santé, le Saint-Esprit et bien d'autres fruits de l'Esprit. Ainsi, Dieu peut passer par n'importe qui pour nous parler et faire évoluer son œuvre, soit par un témoin de Jéhovah, un catholique et j'en passe. Nous ne devons pas rejeter la parole de Dieu venant de quiconque, car cela provoque la colère de Dieu. À la fin de son propos, il dit que la parole de Dieu est le code de vie et de sécurité des véritables chrétiens. Et c'est par une prière que l'homme de Dieu congédia l'assemblée. Je suis Lumière Bibounet pour PCI. Comme les membres d'un seul corps, les chrétiens de Melon se sont réunis autour de la parole dimanche dernier. Angéline B pour plus de détails. Après les 30 minutes de silence observées, le peuple de Dieu est entré dans un esprit d'adoration sous la conduite du frère Némélie Bertrand. Le pasteur Ewané de Peskidou, après son entrée, adressa un mot de prière au Seigneur. « Revenez à moi » fut le thème du jour tiré du livre de Jérémie chapitre 3, versets 1 à 25. L'homme de Dieu lui une autre élection en tant que fils de Dieu, dont nous sommes les élus de Dieu. En tant que tels, nous devons enlever toute mauvaise chose dans nos cœurs pour être libérés. Confessons nos péchés pour que la prière soit favorable à Dieu et ne donnons plus gloire à Satan. Car il était un élément séducteur. Il prit l'exemple sur Daniel qui avait confessé ses péchés et il a été sauvé. Soyons bons et fidèles. Dieu aime l'amour. Revenez à Dieu, peuple infidèle, que ce soit fils, fille. Dieu dit, revenez à tous les égards, tous les problèmes, toutes les fautes. Dieu est prêt à répondre, à accueillir le pécheur et à le pardonner.
C'est à cause du péché. Comme il a dit, dans Jérémie 3, qui s'est éloigné de l'homme, les abominations, tout ce qu'on fait sur la terre, dans l'église, dans le pays. Nous avions lu dans Jérémie chapitre 3 du verset 1 à la fin. Le thème était basé essentiellement sur la sanctification. Mais en résumé, nous devons comprendre que nous sommes des infidèles à cause de notre condition et Dieu nous appelle à retourner à la maison. Il conclut à cet terme. Séparons-nous de la modalité et retournons à Dieu de tout notre cœur. C'est sur ces propos que l'homme de Dieu congédia à l'église. Angéline B. depuis Melon pour PCI. C'est sur cette note que se termine cette édition d'Actu des Églises. Goodbye, Lydie. Au revoir, Bérénice. Nous vous donnons donc rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle édition. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Shalom.